Salut les Frambis! Yo les Raiders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Seb, on va faire avec vous le Community Day Paris Cool. C'est ça. Et donc là on est où là? On est au jardin du Luxembourg. Donc c'est un parc qu'on ne fait pas souvent. Enfin, je suis pas venu ici depuis au moins un an ou deux ans. Moi je suis jamais venu ici pour jouer à Pokémon Go. J'ai déjà visité le parc mais pas pour Pokémon Go. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir pas mal de Pokéstop à tourner, des nouveaux Pokéstop, enfin pour ma part. Oui. On a la quête qui nous demande de faire tourner deux Pokéstop qui donne 10 nocliers, voilà, et plus l'XP surtout. Surtout l'XP. Oui. Donc là, on va tourner les Pokéstop avec le cerclage blanc pour avoir 4100 XP à chaque fois. Avec l'œuf. Sous œuf. Ouais, voilà, avec sous œuf. Chance. Ouais. Donc pendant 3 heures, on va essayer d'en tourner le maximum et d'attraper tout plein de pareils cool shiny. Les amis, avant que le Community Day commence, du coup je vais vous montrer un petit peu le parc. Comme vous le voyez là, il y a pas mal de Pokéstop que j'ai jamais tourné. Et je suis passé devant, je les ai pas tournés exprès pour attendre le début du Community Day et mettre l'œuf chance surtout. Vous voyez aussi qu'il y a des hippopotasses. Et ici c'est un nid à hippopotasses. Donc ça nous permet d'essayer d'en attraper pas mal et faire les échanges avec Seb. Voilà, et puis les bonbons pour pouvoir l'évoluer. Exactement. Alors, faut pas faire d'erreur, hein, y a pas de shiny. En fait, c'est le mâle et la femelle, il y a deux couleurs différentes. Oui, ils ont chacun une couleur différente, elles s'inversent, si j'ai bien compris. Voilà. On vous montrera le mâle et le femelle sur les images à côté. Je voulais également partager avec vous ma quête d'études de terrain qui est terminée. Donc, je l'ouvre devant vous. Allez, progression, donc poussière d'étoile, bonbons et 3000 XP. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle peut donner déjà. Alors OO, Latias, Latios, non, Latias, Latios et Lugia. Très bien, j'ai envie d'avoir un Lugia. Pourquoi pas Shiny? Allez, c'est parti. Latios Shiny, Shiny. Wow. Latios Shiny, 16,06. C'est un truc de ouf. Ben, ça commence bien là. Ça commence bien là les gars. Parce que ça sent la journée des Shiny. Ou bien, ça a tout de me porter la poisse pour les pareils cool. Bon allez, je l'attrape. Banana, Hyper Ball pour que ça aille vite. Il m'a chargé. Pas cool Latios, on recommence. De toute façon, il faut le toucher qu'une fois. Bon, vu qu'il faut le toucher qu'une fois, je vais mettre une Pokéball rouge finalement. Voilà. C'est fait. Super. Attention, une, deux. Ah, dans la quête, il ressort. Tu savais pas ça. Dans la quête, il ressort le shiny. Je savais pas non plus. J'ai jamais eu de shiny en quête légendaire comme ça. Là. Moi, j'ai déjà eu Articuna. J'ai déjà eu Articuna une fois. Et il était rentré du premier coup. Je sais plus. Mais j'ai l'habitude de mettre une Hyper Ball chaque fois sur les légendaires. Je vais perdre toutes mes balles sur lui. Je n'en aurai plus pour le comicider. Allez, il sort à la première. Je te lâcherai pas la Tios. Non, Banana. Je mettrai pas de Bédoré là-dessus. Eh, franchement, les amis, la Tios Shiny dès le premier, ça fait grand plaisir, vous pouvez pas savoir. Allez, une, deux, trois. Il est rentré. Fait. Avec les six bonbons. La Tios Shiny, Seb, tu t'en rends compte? PV attaque impressionnée. Du coup, le Community Day va commencer dans 8 minutes. On vous dit à tout de suite. Les Raiders, ça commence. Il est 15h, comme vous le voyez. Il y a 4 pareils cool là autour de nous. Alors, oublie pas de mettre ton œuf. Alors, je vais mettre mon œuf. Hop. Voilà. Moi, j'en profite. Je vais mettre les encens aussi parce que j'en ai beaucoup. J'en ai 213. Et la poussière d'étoile. 4 pareils cool. Bon, t'es prêt? Morceau de poussière plutôt. Ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti. Allez. On commence. Premier, pas shiny. Alors, on va les cliquer les quatre, hein, bien sûr. Hein. Comme d'hab. Pas shiny. Pas shiny non plus, le deuxième. C'est rare hein, qu'on ait les shiny dès le début. Hein. Bon, bah, comme d'hab, je peux pas les cliquer. Troisième, oh, moi j'ai réussi dès le début. Du coup, je relance l'application rapidement, les amis. Bon, j'ai cliqué les quatre. Aucun est shiny. À toi, Seb. Deuxième. Je les attrape, moi, du coup. Du coup, pas de shiny pour moi non plus. Et je vais les attraper. Donc la quête que j'ai eue avec le premier Pokéstop là juste à droite, c'était attrape 3 pareils cool. Oh, ça donne quoi? Alors ça donne 5 super balls.
Ah bah donc c'est les quêtes classiques qui donnent des balls ou des potions, bon, des quêtes toutes simples. Attrape 3 par écoule à chaque fois. Alors j'en profite également pour ouvrir deux quêtes. C'est Dinoclier si je me rappelle bien. C'est parti. Bah j'ouvre aussi en même temps. Tu connais le 100%? Non, je connais pas. Bon, moi c'était un anorite. Bon, pas shiny. Dinoclier. J'essaie de l'attraper, on va voir. C'est bon, il est rentré. Je te tiens. Alors les phrases. Merveille, défense, impressionné. Il est pas ouf, donc 369. Alors j'ouvre la deuxième. Allez, c'est parti. Tu vas avoir un shiny, je le sens. Allez, ouais. Ah, ça a bugué. Non. Ah, dommage. Pas shiny. 655, c'est pas le 100%? Je connais pas 500. Attrape-le, dis-nous. Je l'attrape, allez. Moi, ça bug. Ça veut pas. Bon, j'ai une erreur de réseau, donc alors, la 605, quête, elle est rentrée dans le néant. 600. PV. Attaque, défense. Et c'était moi qui. Oh, 100%. Honoré, GG. Ah, putain. Renomme-le tout de suite. Allez. Comme ça, t'oublies pas. Et puis, on va se diriger directement sur les autres Pokéstop parce que là, il n'y a plus de pop là, côté de nous. 600%. GG, Honoré de 100. Je sais pas pour vous, mais la journée elle commence bien. C'est un shiny pour Ous, Latios. Appareil cool, shiny, non. Et un 100% à Norit. Allez, on continue? On continue. Allez, c'est reparti les amis. Moi, j'attends que ça pop là. Seb. Non, pas shiny. Deuxième. Non, pas shiny non plus. Il y a beaucoup de moins de pop quand même que les Tuileries. Hein. Je pense que... c'est bon, ils sont là. Là aujourd'hui, c'est une journée très spéciale au niveau de la météo, les amis. Parce que un coup, on a. Shiny grand... wow. Et voilà, le premier, il est rose. Ah, il est pas mal. Hein. Ah bah voilà, premier shiny. Super dans ta tête. Yes, j'ai eu le shiny. J'ai pas eu la poisse à cause du Latios. Tu disais quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé parce que là. Bah, je disais que c'était une journée très spéciale au niveau de la météo. Ouais. Parce que toutes les minutes, on a plus de soleil, du soleil, plus de soleil, du soleil. Donc du coup, si vous voyez des plans gris, c'est qu'il y avait un gros nuage. Et la pluie parfois si vous nous voyez courir, c'est qu'il pleut un peu. Mais bon, si on a toujours des shiny, c'est le plus important. Les amis, on va continuer à avancer avec Seb parce que là, ah bah tiens, il y en a encore un. Oh, deuxième shiny. Oh là là, alors voilà, ça n'arrête pas là. Mais chaque fois, c'est des faibles PC, j'ai remarqué. Du coup, tu l'attrapes celui-là si tu l'as et on continue. Ah, il a pas eu. On continue, il y en a un peu plus là-bas, je pense. Il y a pas mal de Pokéstop. Les amis, il y a pas mal de paris cool, on va tout cliquer. C'est parti Seb. Allez. Et le troisième shiny. GG, GG. Ok, mais encore un faible PC, c'est incroyable. Chaque fois mes shiny sont faibles, pourquoi? Déjà qu'il est. Il est de tête faible ce Pokémon et en plus. Allez rentre. Ce qu'on va faire. On va tout de suite faire l'évolution, Seb, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, allez. Comme ça on voit à quoi il ressemble. À quoi il ressemble quand il est évolué. Alors, juste pour vous dire, hein, les paricules que j'ai eu en shiny, 82, 84 et 93. Le plus haut c'est un 93. Bon allez, on le fait évoluer direct. Allez, c'est parti.
Là, normalement, il va se relever, en fait. Là, il est allongé en premier niveau. Et après, il va se relever un peu. Allez. Et voilà, il est debout. Il a une espèce de mèche devant orange. Il est un peu plus jaune. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, après, on le fait évoluer en Monaf Limit. Allez. Et là, il va se recoucher sur le côté. Allez, évolue en Grand Gorille. Je le mettrai en arène, celui-là. Moi, j'espère quand même que j'aurai des plus gros PC. Hein. Ah, il a juste son groin qui est orange. T'as vu? Ouais. Et même la fourrure, elle est un peu plus jaune. Il y a une petite teinte de différence. Et le quatrième. 11 PC pour pas changer. D'accord. Mais c'est pas faux. Pourquoi tous mes shiny sont si bas? Mais expliquez-moi là, Niantic. 11 PC. Bon, on avance un peu plus loin. Là, on a tout rasé là. C'est parti, là, il y en a pas mal là. Allez, on clique save. On continue! Enfin, après une heure, je filme la musique, je dis tu reviens vers lui, on sait jamais, tu vois, et boum, il me sort les shiny. Premier shiny, trop bien. Rattrape-le là. GG, 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 GG. Yes. Les amis, ça fait une heure que le comité a commencé. GG Seb pour ton shiny, enfin. Enfin, ouais. Ça va débloquer maintenant la chaîne, tu vas voir. J'espère. Comme pour moi, tout à l'heure, t'as vu, ça s'est enchaîné, c'était incroyable. J'en ai eu d'ailleurs 6 ou 7 déjà, en une heure. C'est pas mal. Moi, j'aimerais bien en avoir 2 autres. Ouais, comme ça, tu fais l'évolution et t'es tranquille. Comme ça, voilà, j'ai la famille et puis je suis content. Ouais. De toute façon, même si t'as pas eu 2 autres, hein, t'en as 2 chez moi, donc t'inquiète. Contre le Cresselia, ça vaut le coup, hein. Non. Non. On a tout tourné ici, on a tout attrapé, il y a 4 Pokéstops à côté, on va aller là-bas. T'es prêt? Allez, c'est parti. Allez. On y va. Bon, c'est bon, on clique. Ici, il y en a quelques-uns. On les attrape, on les clique, après on va plus loin. Shiny! Wow! 370, bon, ça c'est un bon shiny. Ça, c'est un bon shiny, les amis. Boum! C'est sa journée, en fait. C'est clair, là, je suis content, là. Il est sorti! Il est sorti! Imagine, il s'enfuit. 370 PC. Il fait plaisir, celui-là. Les amis, j'ai eu mon 7e shiny, et du coup, on va aller un peu plus loin. Sérieux là?
GG, c'est le deuxième. Mon écran il enregistrait même pas. Sérieux? Bon bah GG à toi hein. Il a un deuxième shiny. Montre-le nous quand même comme ça. Shiny. Et le huitième. GG. Les raiders, une petite éclosion d'œuf là. Ah, il me dit que je passe trop vite. Ah bah non, c'est un canard jaune, même pas bleu. Alors Seb, t'as eu des belles éclosions toi? Ouais, j'ai eu une éclosion tout à l'heure d'un Pokémon. Ouais. Que j'avais jamais eu avant, je l'ai vu nulle part. C'est quoi? Cerebou. Ah ouais. Voilà. C'est quoi ça? Il évolue au moins? Il évolue en. Ah mais c'est le bébé de. Comment il s'appelle? Voilà. Série fleur, un truc comme ça là. Ouais. Cerebou. Je l'avais pas. Mais... Donc un nouveau bébé pour moi. Bah GG hein. Moi j'ai jamais vu celui-là. Ouais, c'est la première fois que je le vois. Je savais pas qu'il existait. Sinon, j'ai eu de nouveaux shiny. Là, je suis au compteur de shiny. Je suis à 6, 7, 8. Je suis à 9 shiny au total. Moi, j'en ai que 2. Il te faut un troisième. Il m'en faut un troisième. Mais ce qui est bizarre, c'est que il y a beaucoup moins de pop de Paris Cool depuis une heure à peu près. Ça s'est vraiment réduit. Oui. Donc du coup même là vous voyez sur mon écran je pense que bah, y a deux lits magma, il y a que Notor. Mais même Blue sur le radar, regarde sur le radar. Il y en a que deux. Ouais. Ils sont loin. Ils sont pas à côté. Il y a également un raid à côté, à 17h20. Il est juste là. En 7 minutes. Si tu veux, on peut le faire après. C'est ta journée de shiny, je pense qu'il faut que tu le fasses. Exactement, je suis obligé de le faire. Cressier la shiny. T'imagines? Je le veux, ce Cressilia Shiny, je le veux. On va tenter le raid, ok? Ouais. Allez, on va commencer à avancer vers là-bas. Les amis, on se retrouve au raid. Et voilà, on a retrouvé nos amis Pascal, Zoher et Arlu. On va un selfie? Salut. Les raiders, on a commencé le raid Cresselia. On l'a fait en privé avec des potes. Vu que c'est ma journée de shiny aujourd'hui, je vais essayer de l'avoir. Enfin, j'espère l'avoir. Je vais pas essayer de l'avoir, j'espère l'avoir. J'espère que tu vas l'avoir. Hein. C'est clair, parce que là, je sais pas combien de Cresselia on a fait là, je suis toujours pas le shiny. Ça commence à m'énerver. Après, est-ce que toute ta chance elle est partie dans les petits monnaies, dans les petits. Monnaie flimée quoi. Comment il s'appelle déjà? Paris Cool. Ouais, peut-être. Peut-être j'avais un peu de chance aujourd'hui, je l'ai mal utilisé. Pas, hein. Ou je l'ai bien utilisé, bien au contraire, puisque ça va me donner le Cressilia Shiny. Dites-nous en commentaire, vous dites Paris Cool ou Parcool? Ouais, c'est vrai, parce que là, il y a Zoher là qui dit Parsoul. Moi, je dis que c'est Parcool. On dit paresseux, donc Paris Cool. Ouais. Parseux. J'avoue. Donc, tu dis Paris Cool alors? Ouais. Ouais, moi, je dis Paris Cool pour le côté cool, tu vois, il est cool. Et sinon, les Cressilia, vous avez eu des Shiny? Non. J'en ai fait 3. Arline n'a pas eu shiny, notez-le, c'est très rare ça. J'en ai fait que 3. J'en ai fait 5, j'en ai eu 1. GG. Et Pascal? 0. Bon, ça me rassure un peu quand même. Mais là, je sens qu'on va avoir un shiny, les amis. Ouais, mais moi en attendant, j'ai tous les shiny de l'event. Ouais, bah pareil. Hein. Ouais, genre. Bah, moi j'ai rien eu. D'accord. Les nouveaux là? Il le dit cash, d'accord. J'ai rien eu. T'as eu Cresselia, ça va? Ah, j'ai 3 Cresselia, il a eu le gars. Incroyable. Allez, c'est bon. 16,09. Ça, c'est pas un PC de shiny. Ouais, mais généralement, j'ai toujours en dessous de 16. Je suis prêt, je clique moi. Non, shiny, pas shiny. Oui! Enfin! Oh merde! Allez, Seb. Allez. Shiny, le Cresselia. Hey, quand enfin. On disait que c'était sa journée shiny. Ah, voilà. C'est ma journée shiny aujourd'hui. Cresselia shiny et 9 pareil cool. J'allais dire pareil soul. Bon, je mets une banana pour l'attraper. J'espère. Hop là, allez Cresselia. Hey, j'en ai fait, hein. Franchement, j'en ai tellement fait. Ah, franchement, tu le mérites. Mec,
J'ai galéré là. Est-ce qu'il a... Et on va voir dans la vidéo attaques, le magnifique, ça c'est pas un PC de Shiny ça. Ouais, c'est clair. C'est vrai Seb, au début il a dit ça c'est pas un PC de Shiny. Ça c'est pas un PC de Shiny. Mais comme quoi tu vois, c'est toi et ta chance quoi. Bon les frambis, l'event vient de se finir. Donc pareil cool, voilà. Combien de Shiny? 9. 9. Malheureusement j'en ai eu que 2. Je sais pas pour vous comment ça s'est passé, mais nous de notre côté, sur la dernière heure, vraiment il y a eu très peu de pop. On n'a pas pu en cliquer autant qu'on voulait et tenter le troisième shiny pour moi en fait. Donc petite déception de mon côté. Bon toi t'as tout eu aujourd'hui. Grave. En fait t'as tout braqué. Latios shiny, 9 paraît cool et Cresselia shiny. Franchement, magnifique. Une de mes meilleures journées Pokémon Go. Merci Niantic. Comme tu n'avais pas eu de barpo, je te propose d'en te le donner. Ok. Ouais, c'est vrai que tu as eu un barpo hier ou aujourd'hui? Ouais, j'ai eu un barpo shiny ce matin dans un œuf. Voilà. Donc je vais t'en donner un. Et puis tu me complètes ma famille de parcours. Ouais, parfait. Pareil cool. Ça me va comme échange. Bon, bah du coup, on va faire un échange barpo shiny contre pareil cool shiny. Du coup, vu que je ne l'ai pas, ça va me coûter 40 000 poussières. Et vu qu'il l'a pas, ça va me coûter aussi 40 000 poussières. Ouais. T'en as assez? Ouais, j'en ai assez. Allez, c'est cadeau. Allez, ça me fait plaisir. C'est parti. Hop, confirmé. Oui. Un shiny un peu rose contre un autre shiny un peu rose. Moi, je dois avoir un 117 là pour le 100%. Et moi, 544. 117, allez. Non. Non. Mais t'as ton troisième. J'ai mon troisième. Les amis, pour résumer cette journée, dans l'ensemble, c'était bien car on a rencontré pas mal de personnes, super sympa. Par contre, pour les Pokéstop, c'est pas comme les Tuileries. Là, c'est la première fois qu'on fait ce parc-là, le parc de Luxembourg. Et il est joli, il y a pas mal d'endroits sympas. Par contre, les Pokéstop, tu trouves pas qu'ils sont un peu espacés quand même? Bah, c'est un peu plus espacé qu'aux Tuileries. Du coup, forcément, bah, les pop, bah, ils sont un peu plus loin. Ouais. Et on s'est retrouvé à peut-être marcher plus sans et avoir moins de Pokémon en fait. Ouais. Du coup, bon, mais franchement, il est super beau. C'est vrai que le parc est joli. Ouais. Des belles zones arborées, une belle place centrale que vous avez pu voir durant la vidéo. Et pas mal de monde également. Franchement, c'est un très beau parc. Mais c'est vrai que pour le Community Day, les Tuileries, c'est mieux. On préfère en fait. Ouais, les Tuileries, c'est sympa. On connaît les endroits où ça pop le plus et tout. C'est peut-être pour ça en fait qu'on préfère. Aussi, ouais, je pense. Sinon, en termes d'XP aussi, je voulais dire que j'ai pris à peu près 200 000. 200 000? Oui. Un peu plus que 200 000. Je suis en train de regarder en même temps. Et toi, tu sais à peu près? Alors, là, je suis à 139 740 000. Et tout à l'heure, j'étais à 139 475 000. Donc, j'ai pris 280 000 à peu près. Ouais. Ça va dans l'ensemble. On n'a pas tourné tous les Pokéstops comme on le voulait au départ. Ouais. Mais au final, on a quand même tourné. Voilà. On a pris 200 000, 280 000. XP chacun, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et la partager, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Salut les frambis. Salut les raiders. 100% chanceux, franchement, elle abuse. 100 et 100.